J'ai jamais dit ça. J'ai dit 12 c'était bien. C'est pas top. 17 c'est mieux. Ah si, 17 c'est mieux. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La bonne, hein? Commence par la... Attends, tu dis rien. T'as eu la résa pour le chalet plein sud avec vue sur les pistes. C'est pas bien, pas du tout ça. Tadam! J'ai retrouvé le carton du Playmobil du chef indien. Il était dans le fond du sac de linge sale. C'est con, hein? T'es là. Ouais, ça c'est la bonne. C'est chouette. Et vas-y pour la mauvaise. Ça sera peut-être meilleur. Ah, j'ai jamais réussi à foutre la main sur la palle d'hélicoptère des pompiers. Désolé, Jules. Oui, mais attends, ça va, on est rassuré, on va survivre, hein, les enfants, Paul. Non, mais... Non, bah, du coup, je te jure. Dis, attends, tu te resserres de pattes, s'il te plaît? Tu me le donnes à moi? Oh, tout le monde s'en fout, là, ou quoi? C'est quand même un tout petit peu important de savoir où on a rangé ses affaires. Dans la vie. Bizarre. Mais quand même... Attends, c'est intéressant! Tu vois quelqu'un qui n'a jamais su où ranger le bouchon de son capuchon, enfin du tube de dentifrice. Ah, mais alors ça, mais c'est. Mais ça n'a rien à voir, mais rien à voir! Non. Le dentifrice, sans bouchon, il sèche et il fait un petit bouchon naturel. Ouais. Et donc tu peux toujours le. Enfin, t'en servir. Alors qu'un hélico. Un hélico. Hein, sans balle. Et pas relais, hein? Vous vous faites rire, ça, hein? Parce que moi aussi, pour le coup, alors, hein, un hélicoptère qui vole sans vraiment voler, dans le regard qui ressort, tout bébé, tout mouillé, tout pupu, là, ça vous fait rire, hein? Mais marrez-vous tous les deux, hein? Et toi, mon petit Jules, ça te fait quoi d'envoyer ton petit chef Sioux comme ça au combat? Sans son carquois, sans aucune petite munition. Le mec, il va y rester, hein? Je vais te dire un truc, mon petit bonhomme. Si tu ne respectes pas un tout petit peu ton Playmobil, ben tu ne te respectes pas toi-même. Et ça, moi, je te dis, c'est grave. Ouais, les enfants, si vous avez fini, vous pouvez sortir de table. D'accord, je suis le seul à... Hein? Quoi, percevoir la parabole. Percevoir la parabole de la société, c'est ça? Ah ouais. Hein? Et puis je vous demanderai de regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Ça évitera de... Enfin bon, on comprend mieux pourquoi l'Europe elle va mal. Il ne faut pas chercher très loin. Pénible alors. Ouais, ben bonne nuit, hein.